Est-ce que vous connaissez le pays Kenya qui a responsable force multinationale qui a venu aider Haïti? Dit c'est un pays qui gagne un pile problème avec VIH sida. C'est un pays dans le monde là que taux sida la kaili vraiment haut. Bon, dans vidéo ça m'pas venir faire que pièce moun sauter. M'pas venir comme des gars dit faire ça dans tout votre monde là tourner liquide. Objectif vidéo ça, c'est pas pour me parler pays Kenya mal. Très souvent nous dit la caille nos maladies pas tomber sous pied boisé sous monde ni tomber. C'est pas pour moi critiquer tout soldat kenyan yo. Mais de préférence moi gagner un autre objectif qui c'est alerter ou sous une situation moins jugé même ti moun ki pi piti la kaywa doit au courant de lui-même. Monsieur est certain yon moun ki a vive sous terre li tande parler de maladie ça qui est sida. Très souvent nous dit VIH sida. Et français a dit c'est syndrome immunodéficience acquise. C'est une maladie qui fait partie une maladie qui pi danger dans monde là. Comment on capable prendre maladie ça? Maladie ça ou capable prendre ni lorsque ou rentrer en contact avec un monde qui gagne. Ou gagne plus chance pour que ou capable prendre li nan fait bagay. Lorsque ou rentrer dans rapport sexuel avec un monde, si moun sa gagne virus ça, li capable ba ou li. Mais gagne l'autre façon tout que ou capable prendre. Lorsque ou entrer en contact à moun sa, soit observé ensemble avec sa l'observé, soit en contact 100 à 100, ou bien, mesdames, messieurs, et plusieurs autres formes. C'est-à-dire que c'est une maladie immédiatement yon moun gagne, le contact corporel ensemble avec lui, mettez ou même tout en danger pour que ou capable attraper. Ça peut arriver que ou prend en pile précaution ou pas jamb gagne, mais ou obligé rester très prudent. Kounya, qui rapport ça gagne avec pays Kenya? Gagne OMS. Selon OMS, Organisation Mondiale de la Santé, yo estimé dans un rapport qui vraiment fraîche qui date juillet 2023 que gagne environ 40 400 000 moun dans monde lan qui ta gagne maladie si la. Mais en dans rapport OMS qui date 2022, yo estimé gagne environ 39 millions et voire même plus quantité moun qui a vive avec maladie ça nous en 2022 fin 2022 et gagne plus passé 2/3 moun sa yo qui retrouvé yo dans des régions en Afrique. C'est-à-dire que plus passé 25 600 000 moun qui infecté avec maladie ça yo retrouvé yo en Afrique. Bon, nous capable poser question peut-être qui ça c'est continent africain qui gagne tout niveau ça. Mesdames, messieurs, bon, nous capables de comprendre situation sanitaire, situation économique et manque de moyens pour capable faire prévention, nous capables de gagner un pile argument. Ça veut dire gagner une possibilité pour quelques pays qui retrouvent en Afrique gagner une quantité de monde qui infecté la caillou toa vraiment élevé. Eh bien, pays Kenya qui se sujet pas nous gagner des rapports qui un peu anciens. Qui fait qu'on est depuis année 2000 yo dans les années 1999 2000 2005 te gagne un taux qui était vraiment haut dans pays Kenya. Gagne une estimation qui était faite en 1999 pays Kenya l'été fait partie 9 pays dans monde là taux VIH là l'été vraiment haut la Kaili. Te gagne une estimation dans l'époque ça, en 1999, que gen environ 2,1 million moun qui fait partie population adulte là, dans le pays Kenya, et même ti moun tou qui a vive avec maladie si la nan san yo. Mais avec le temps, genye un pile progrès qui fait pour capable améliorer situation population. Dans moment là, mwen pa genye yon taux exact
m pa vle fè erreur pou m pase yon information ki pa korèk, men m ap pran yon dat pase ki plus ou moins récent, c'est nan ane 2020. Nan ane 2020, peyi Kenya li te gen yon taux lakay li ki te varye nan environ 5,3% nan kantite moun ki ap infekte avèk maladi si la. C'est-à-dire que ou gen an pil chans sou chak 100 moun ki genyen maladi sa ou jwenn 5 nan peyi Kenya. E genyen plizye lot ONG parmi yo OIT, Organisation Internationale du Travail, ki te komante situasyon Kenya dan le pase dan les ane 2002, mesdames, messieurs, kote yo te mansyone koman maladi si la li ki te an pil ti moun orfelin. An pil paran, an pil moun pakat, évacuer une activité en pile timoun malheureusement pas levé avec parents ou à cause maladie ça c'est-à-dire que c'est un problème qui réellement touche population et n'ayon note qui vraiment récent que ministère santé dans pays Kenya t'est publié et la presse t'est relé li qui gagne environ 4 semaines ministère santé dans pays Kenya prend des mesures pour capable mettre fin avec transmission maladie si là pour maman yo avec petit yo. Ça vle di ki sa. Ça vle di nan mouman ke nan pale la, peyi Kenya li genyen yon chas li lanse deye maladi sa a koz an pil maman ki ap infekte e loske yo infekte, yo transmet maladi sa bay timoun nan. Timoun sa oblije fèt avèk maladi sa nan san. E yo prevwa soti 2023 pou rive 2027, yo ta doye genyen plan sa ki pote an pil suksè pou yo menm. Nan mouman ke nan pale la, selon ministre santé pays Kenya, gagne au moins 4000 timoun qui infecté chaque année. Ça veut dire gagne environ 4000 timoun qui fait dans pays Kenya qui tout fait chaque année avec maladie ça dans sang. Mesdames messieurs, nous capable dire c'est un taux qui vraiment haut. Et je dis en nous même en tant que haïtien, peut-être que ça me fait tout schéma ça, pays Kenya qui pourrait diriger force multinationale dans pays d'Haïti a qui ça sa vle di pou nou menm? Sa pa vle di que soldat Kenya yo genyen maladi a. Mais sa vle di pou nou menm que puisque y ap sorti nan yon peyi ki genyen yon taux maladi sa ki elevé, que ministre justice sa ki pa ban nou aucun détail sou feuille de route mission sa et ministre santé ya pa bon côté pali, li pral gen yon gros rôle pou jwe. Soldat sa yo ki ap rentre en Haïti, y ap genyen yon obligation pou yo teste ke yo pa infecté. Y ap genyen obligation tout lorsque y ap sorti, lorsque y ap rentre pou yo retester yo pa infecté. Ça pa vle di nou oblige et pran soldat yo nou mete yo nan coin parce que maladie a la kay non. N'ap sensé à tête nous parce que nous gen maladie en la kay nou tout. C'est partout dans monde là. Et yon soldat kenyan capable rentrer en Haïti, malheureusement, c'est Haïti il prend maladie pendant la kay li genyen. Nous capable comprendre situation, si ça te fait, nous obligé faire ki ça fait prévention. Et c'est pas seulement Kenya, l'autre soldat qui a venu au pays ou gen maladie à tout. Prévention c'est pas seulement contre Kenya, pour si que ou remarqué moins ciblé Kenya. En pile, c'est parce que dans pays en Afrique que j'ai montré nous OMS estimé pourcentage là vraiment haut dans quantité monde qui gagne dans monde là. Et sur réseaux sociaux tout nous capable ouais c'est plus Kenya y a parlé mais citoyen qui sont aux États-Unis d'Amérique, l'autre qui sont dans l'autre pays, yo capable gagner tout obligé protéger tête ou contre tout. Je dis en là nous pral faire prévention. Jeune fille, situation capable difficile. Situation capable compliquée, mais la vie pi belle. Prudent avec moun ki ou pral gen relation sexuelle, moun ki ou pral coucher, moun ki ou pral envie peut-être faire petite pour yon intérêt. Jeune garçon yo prudent, moun ki pral travail comme interprète, moun ki pral gen des relations serré collé, prudent pour capable préserver la vie yo. Ça pa vle di que obligé peur yo, mais c'est important pour prudent puisque yo sorti dans un pays toi élevé partout dans monde là c'est comme ça yo fait prévention contre n'importe monde
gen pays dans monde là si ou sorti dans un pays tiers si ou pas accepté ou la caillou tout autant pas fait 15 à 20 jours dans quarantaine ou bien yo tout jou pas rentrer dit tout gen pays c'est comme ça yo fait et pour sorti dans tel pays yo dou non nous pas prendre là c'est pour préserver population nous capable comprendre et bien c'est protéger terre tout et puis faire attention la guerre avec ti pas tuer Kokobe. Restez connecté n'a continuer informer n'a prêt à le comme ça pour une autre sortie.